Nous quittons le Grand Valtin. Et avant de rentrer à Grandlieu, nous allons passer le week-end chez mon cousin Vincent, le frère de Stéphane. En disant ces mots, un effet de miroir fait soudain surgir comme une équivalence jusqu'ici invisible entre ces deux noms de lieux, Grand Valtin, Grandlieu. Tiens, ben là où il y a les deux voitures l'une derrière l'autre. C'est là? Ouais. Ouais. Je te rends ton téléphone, ou si tu veux appeler. T'es sûr? Oui. Ah oui, le 12, il avait dit 2. Alors par contre, est-ce que je peux me garer là, tu penses, ou je me gare là? Puis on verra après. Pour la première fois dans ton journal filmé, on te verra. C'est beau. Ouais, c'est ça, c'était mort. On verra, tout le monde saura que t'es un vrai geek. Ah oui, ouais. Ah ouais, t'es comme ça toi. C'est bon là. Non mais ta main, faut que tu mettes ton doigt juste au milieu, ton pouce, non, le pouce de l'autre main. Ah oui. Voilà, comme ça, voilà. Il y a plus comme ça. Le centre, c'est le bâtiment vitré, vous présentez les billets et où il y a les toilettes. Ouais, ça merci, parle à bonne visite. Merci Vas-y, passe dedans là, avec traverse comme ça. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Vas-y, sors du champ. Et Stanislas, c'est quelqu'un qui aimait, qui adorait manger. Mmh, ouais. Et donc lui, pour un repas, c'était une entrée, un plat et un dessert. D'accord. Et justement, il est à Commercy, il veut son dessert, il va dans la cuisine et il dit, moi je veux un dessert. Il essaye de trouver un pâtissier, pas de pâtissier. Il voit une fille, il dit à la fille, fais-moi un dessert. La fille, elle était servante. Elle va voir sa grand-mère, elle fait, ah, il veut que je fasse un dessert, qu'est-ce que je fais? Sa grand-mère lui dit, tiens, tu mélanges ça, tu le mets au four, et tu verras, il va aimer. Donc elle s'applique, elle mélange avec des œufs, de la farine, du beurre, tout ça, elle met ça au four. Elle va le présenter au roi Stanislas. Stanislas, il goûte, il fait, oh, il est exceptionnel, il adore ce gâteau. Et puis il fait à la dame qui a fait le gâteau, il lui fait, bah tiens, comment tu t'appelles? Et donc, elle s'appelle Madeleine. Et donc, il a dit, bah, écoute, ce gâteau-là, et ben, on va l'appeler Madeleine. Et comme c'était à son château à Commercy, et ben, c'est très connu comme la Madeleine de Commercy. C'est dimanche, les parents de Vincent, Ginette et Paul nous ont rejoints
je filme notre balade. J'avais d'autres rushs, d'autres séquences, qui n'ont pas trouvé leur place dans l'épisode. Les 6 minutes et 40 secondes m'obligent souvent à abandonner des morceaux d'existence qui restent invisibles, planqués au fond des disques durs du journal filmé. C'est peut-être pour cela qu'il est devenu fiction. Ah oui, quand même. Salut! Bonjour, retour! Allez, le pied de viande, vitesse croisière. C'est parti! Troisième? Ouais. La deuxième vitesse de croisière. Allez, maman, mets la radio!